Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va tourner autour de l'actualité comme d'habitude. Et pour aujourd'hui, on va aborder pratiquement trois principaux sujets. On va parler du couvre-feu avec tout ce qu'il y a comme bavure policière. Ça a été décrié par certains compatriotes, des policiers qui se font et qui brillent par des actes de vol et d'extorsion. On va aussi aborder la question de cette cellule. L'agence de prévention des luttes contre la corruption qui est trempée depuis le week-end dernier dans des dossiers sales, un dossier des mafias et des corruptions. On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec l'Union sacrée et tout ce qui se passe au sein du FCC, des défections en cascade, des voix qui s'élèvent pour demander la démission de l'équipe dirigeante actuelle du FCC. Pour décortiquer tous ces sujets, je reçois sur ce plateau Nico Fandika, à qui je m'en veux dire bonjour et bienvenue. Bonjour, estimé. L'œil de l'aigle. Qui a dit des choses, qui voit au-delà de l'Himalaya. Le rappel national, où en sommes-nous? Ah, merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1106 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 552 jours, au-delà des 100 jours du chef de l'État. 303 jours depuis que COVID-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1106 jours pour la fin de ce mandat, c'est-à-dire le mandat des gouvernants. Que les gouvernants se mettent en tête que ce n'est pas une carrière, mais c'est un mandat. De deux, ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils réservé à la CENI dans le budget exercice 2019 et 2020? Le mandat est de 5 ans. Il y a eu déjà deux exercices. Le peuple congolais a besoin de savoir combien on a déjà réservé pour la CENI parce qu'il ne faut pas attendre la dernière année pour commencer à toucher ça et là. Au gouverner, chercher les moyens, payer le témoin, les aligner dans tous les bureaux de vote. Kinshasa n'est pas la RDC. Mais vous, les Kinois, vous avez la conception selon laquelle le fait d'avoir eu quelques voix à Kinshasa, c'est synonyme de gagner une élection présidentielle. Kinshasa n'est pas la RDC. Bouniri, c'est le Congo. Nyenyempi, c'est le Congo. Popokabaka, c'est le Congo. Basoko, c'est le Congo. Partout là-bas, il y a toujours des électeurs. La voix d'un Kinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Walungu. Pour cela, nous devons préparer les élections et que le PV ne Très bien. peuvent être ramenés que par les témoins. Très bien. Mais j'ajoute une chose, s'il te plaît, Rapidement. Hervé. On m'a dit que vous le faites bien, mais tout le monde n'a pas la maîtrise du français. Ils m'ont demandé de le faire aussi dans les langues nationales. Kunabaki, il y a 1106 jours, Ndjou, il y a élection. Yamembikana, 1106 jours, Bilumbu. Kwenda Nansololo. Etikali 1100 jours pour Namaponomi. Nkushalamatuku 1106 jours. Jeudi. Très bien. Parlant des 303 jours au-delà des travaux des 100 jours qui ont été lancés, je crois, en 2019, vous avez suivi les présidents de la République qui a reçu les rapports techniques des entreprises qui travaillent sur les sauts de moutons et on nous annonce que 5 sauts de moutons seront remis à la circulation ce 31 décembre. Et le ministre des Finances a été instruit par les présidents de la République de décaisser 3 millions de dollars pour finaliser les restes des travaux. Êtes-vous satisfait? Je ne suis pas satisfait dans la mesure où je suis le premier à décrier l'initiative d'ériger le saut de mouton. Je me pose la question, est-ce que le saut de mouton était une priorité des priorités? La première question. De deux, évitons la politique spectacle. Les travaux de l'État sont exécutés dans le temps. C'est-à-dire, vous trouvez la maquette, on a dit, exécutant, maître d'ouvrage, durée de travaux. On vous dit 7 mois. Si j'ai bonne souvenance. La durée initiale pour le saute-mouton était de 7 mois. Hervé, sois sincère et objectif.
depuis que les travaux de saute-mouton ont été amorcés. Et aujourd'hui, il se passe déjà combien d'années de souffrance. D'ailleurs, nous ne sommes plus encore au stade même de la souffrance. Les saute-moutons ont atteint le degré de la torture. La torture, qu'est-ce que ça dit? La torture, c'est la souffrance qu'un agent public administre à un particulier. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des saute-moutons de pompage, ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des saute-moutons de Bonhomme et de Pascal, n'êtes pas synonyme de la torture. Comment voulez-vous, depuis tout ce temps, il y avait le bus Transco qui faisait Kingasani Victoire, qui faisait Kingasani Zando. Sincèrement, y a-t-il une ligne aujourd'hui Kingasani Zando, Kingasani Victoire? J'ai dit non. J'ai dit non. La cause, c'est quoi? C'est la torture qu'on a, que l'État congolais a érigée. Aujourd'hui, vous quittez Kingasani, vous prenez Kingasani jusqu'à Pascal, vous payez 500 francs congolais. Vous descendez, vous traversez les tôles, vous prenez le transport. S'il est de bonne intention, il peut vous déposer au niveau de Bonhomme. Mais s'il est de mauvaise foi, il peut vous déposer soit au niveau de Liberté, soit au niveau de Entrée Kimbuta. On vous dépose au niveau de Bonhomme. C'est là où encore une autre calvaire commence. Mille fois mille. Je vis quelqu'un. Je vis un chauffard et son convoyeur percevoir 1500 francs congolais pour quitter des bonhommes arrivés à Zando le matin. Saute-mouton. Est-ce que de tout l'argent que mon peuple dépense, est-ce que votre État a-t-il prévu cela? Parce que moi, je me pose la question. Dans quel état du monde où l'État pour payer d'abord ses engins, c'est tout un problème. Aujourd'hui, les engins et fonctionnaires de l'État n'ont plus de dettes fixes de paye. Peut-être les policiers, les militaires et les enseignants. Mais les autres secteurs... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si hier on a mal payé, vous devez aussi continuer à mal payer les gens. Je comprends. Où est le changement positif pour lequel nous avons fait tuer les gens? N'oublie pas que nous avons fait tuer les gens. Vous pour l'état des droits, pour les sociales, bonne gouvernance. Très bien. Jours. On va parler d'actualité. C'est l'actualité, non? Vous savez, vous avez une mauvaise conception. La politique n'a de sens que là où il y a le social. Sans social, ne parlez pas politique. Très bien, on va parler politique. C'est non, pas politique, mais plutôt... A contrario, j'ajoute, l'État congolais aurait pu demander pardon aux Congolais pour cette torture qu'ils ont infligée. Très bien, on va parler du couvre-feu. La décision d'instaurer le couvre-feu qui a commencé depuis le vendredi 18 décembre, et on signale beaucoup des cas de bavures policières, extorsions. Il y a même ceux qui ont été autorisés par les autorités à circuler pendant les heures de couvre-feu sont aujourd'hui victimes des actes de barbarie vis-à-vis de la police. D'abord, est-ce que la décision d'instaurer le couvre-feu était-elle réfléchie? Est-ce que ça cadre avec les réalités congolaises? C'est une décision irréfléchie, au même titre que le programme de 100 jours, et y compris aussi le programme de saute-mouton. Irréfléchie. C'est-à-dire, jusqu'à toutes les mesures qui sont prises ne vont pas dans le sens d'aider la population. Ne font pas de sorte d'aider la population. Prenez d'abord les mesures qui ont été prises lors de la première vague. D'abord, les confinements. Que les téléspectateurs et les internautes se mettent en tête que le premier cas, je crois que c'est Stéphane, que l'État congolais avait présenté comme la première victime de Covid congolaise, Stéphane lui-même était revenu pour dire qu'il n'a jamais été malade, que c'était sur instigation de l'État congolais. Premier mensonge de l'État. Mais voilà où le mensonge de l'État amène les conséquences dans le panier ménageur des Congolais. Hervé, moi je suis homme de terrain. Je le suis également. Non, je ne pense pas.
Si je vous demandais le prix d'un Ebundel de Madès, vous n'allez pas me dire. Il est combien, Ebundel de Madès? C'est moi qui pose des questions, malheureusement. L'État, lors de la première vague, l'État suspend tout. L'État confine les gens. D'ailleurs, un autre mensonge. L'État inhumain, l'État méchant, l'État tortionnaire. L'État congolais dit aux Kinois de faire des provisions. Moi, je n'ai pas la mémoire courte. De faire la provision. On a acheté un sac de riz à 60 000 francs congolais. Sans payer ses agents fonctionnaires de l'État, l'État demande à sa population de faire des provisions. Les gens s'entassent, s'entrantassent. On achète une botte de pondou à 7 000 francs congolais. On achète une boîte de sardines à 2 000 francs congolais. On achète un ebundeli de Madesu à 5 000 francs congolais. On achète un écolo de Masango à 2 100 francs congolais. L'État inhumain congolais, après, ne confine pas. Jusqu'à ce jour, beaucoup n'ont pas encore remboursé, beaucoup n'ont pas encore payé les dettes qu'ils avaient accumulées durant cette période. Vous appelez ça l'État? Moi, je suis d'ailleurs vers une région sur laquelle il n'y a pas l'État. Nous sommes dans un État non-État. Revenez au couvre-feu. Je reviens au couvre-feu parce que c'est la suite logique. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on répète la répétition est la mère des sciences. Vous l'avez si bien dit. De deux. Très bien. Toutes les maisons commerciales. Hervé, ayez pitié au moins de mon peuple. Ayez pitié de mon peuple. Il a beaucoup souffert. L'État congolais prend la mesure de fermer toutes les maisons commerciales, les terrasses, les bars et les restaurants. Je me pose la question. Tous les tenanciers de bars, Oshue, Avenue du Stade, Bandalungwa, partout là-bas, Lemba, Niringiri, Kasavubu, qui sont allés s'endetter auprès des banques, mettez-vous en tête que beaucoup des mamans que vous voyez détenir les terrasses, l'origine de cet argent, ce sont des crédits contractés auprès des banques. S'il vous plaît, ayez pitié de mon peuple. Je m'agenouille, l'État congolais, ayez pitié des gens. L'État confine, interdit aux gens de vendre. Hervé, réfléchissons. Une maman, un Congolais, qui a contracté un crédit auprès de la banque de 5 000 $ américains, va payer la garantie et achète quelques effets pour sa terrasse. L'État confine pour 5 mois. La maman là ne vend pas, le Congolais ne vend pas. Mais l'État ne prévoit pas le mécanisme de règlement des conflits de la dette accumulée par ce dernier. Je vous pose la question. Il y a une maman qui m'a appelé. Il a dit, procureur général, prends le peuple. J'ai un restaurant à la Gombe. On a été confinés durant 5 mois. Je paie 10 000 $ le loyer. Je fais 5 mois sans fonctionner. 50 000 $ américains. Comment vais-je payer cet argent? L'État n'a rien prévu. L'État congolais ne s'est limité qu'à demander aux bailleurs de ne pas déguerpir leurs locataires. Mais l'État congolais n'a pas réfléchi comment résoudre la problématique des arriérés des loyers commerciaux dans les États. Vous avez suivi ce qui s'est fait à Washington? Un autre plan d'urgence, un autre plan de relance économique d'urgence vient d'être adopté. Est-ce que avez-vous senti la main de consultation? On va en parler. J'ai dit ceci. Est-ce que, pour résoudre cette question, vous avez entendu la consultation là-bas? L'État a donné des solutions au problème. Premier plan d'urgence économique aux États-Unis. L'État américain a remis à tout Américain 1 200 $. On n'a pas les mêmes moyens. Ah, on n'a pas les mêmes moyens, mais il faut faire quelque chose. Je m'attendais à cela. Il faut faire quelque chose.
En droit, l'article 258, qui cause préjudice, doit réparer. Qui doit réparer le préjudice causé par l'État congolais? C'est un problème réel, Hervé. Est-ce que pour ça, il faut avoir une coloration politique pour répondre à une question? Je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Tous ces arriérés de loyer, qui va se les supporter? Réponds-moi, qui va les supporter? Entre-temps, les jours passent, les bailleurs détiennent la garantie de locataire. 2 ans, 3 ans, 5 mois après, que va-t-il se passer? Revenons au couvre-feu avec tout ce qu'il y a comme bavure policière. Mais je dis ceci. Ça, c'est un problème parmi tant d'autres. C'est un problème parmi tant d'autres. Dans quel pays où l'État peut prendre des mesures, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour payer les gens? Vous êtes incapable de payer les gens. Il y a les personnels de l'hôpital de référence Lozo, au camp Luka. Ils m'ont dit, procureur général près le peuple, le 24 décembre de l'année passée, les ministres actuels de la santé Longondo a inauguré l'hôpital de référence de Lozo au camp Luka. Si vous pouvez, depuis qu'il l'a inauguré jusque-là, aucun rang, ni salaire, ni prime. Et il reste 10 jours pour la fin de l'année. Bako vivre en dengue nini. Mais si un tel papa a sa terrasse quelque part, qui peut la seconder, vous interdisez. Mais vous qu'est-ce que vous entrevoyez pour pallier à cette situation? L'État ne se limite pas seulement à prélever les impôts. L'État ne se limite pas seulement à aller récupérer les taxes. L'État a une dimension aussi providentielle. L'État doit donner des solutions aux problèmes auxquels son peuple est confronté. Et si, surtout, si ces problèmes sont causés par lui, qui a causé préjudice? C'est l'État congolais qui interdit aux gens de vendre 21 heures. Il y a une mesure selon laquelle les terrasses ne peuvent ouvrir qu'après 16 heures ou bien 17 heures. Si quelqu'un ouvre à 17 heures et qu'il ferme à 21 heures, beaucoup de terrasses sont des locataires. Comment vont-ils payer les loyers? Voilà comment on réfléchit dans les États. L'État n'est pas seulement pour se chamailler. Vous passez des années seulement en se chamaillant. Aucune solution au problème des Congolais. Nous sommes à 10 jours de la fin d'année. Le sac de riz qu'on achetait à 32 000, aujourd'hui, c'est vendu à 43 000, 45 000. Lyon, je vous pose la question. Le salaire de mes engins fonctionnaires de l'État, ont-ils subi aussi le même rythme? Les greffiers, tous les greffiers de l'arrêté 2018 m'ont appelé pour me dire, procureur, depuis 2018, on a signé notre arrêté, on ne paye que 40 000 francs congolais, moins de 20 dollars. Aujourd'hui, le taux n'est même pas connu. Je pose la question, avec 40 000 francs congolais, que l'État congolais paye au greffier, comment un tel monsieur peut-il souvenir à ses besoins? Serait-ce que le transport le matin, si vous habitez Kinshasa, pour atteindre le poste de travail, il faut dépenser au moins 3 000 francs congolais. Où est la dimension humaine de l'État? Très bien, on va parler de la politique cette fois. Union sacrée, avec tout ce qu'il y a comme défection au sein du FCC, des déclarations en cascade. Nous avons suivi le week-end dernier l'ANADEC de AG Matembo qui a demandé à Nehemi Mwilania, Evariste Bocha, Robin Minaku, Chadari et puis Adolphe Lumanu de ne plus engager le FCC. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, ces schémas ou ces plans préconisés par les présidents de la République, est-elle plutôt venue résoudre les problèmes? Ou l'Union sacrée, c'est un schéma mis en place pour tuer les FCC actifs? D'abord, parlons l'aspect FCC par rapport à ce qui lui est arrivé. Reconnaissons que au-delà des violations des droits et de la Constitution, au-delà de la violation de la procédure, ayant entanché cette procédure, mais le FCC ne devait pas rester bras croisés. Le FCC aurait dû aussi prendre des précautions. La politique, c'est comme un match de football.
dans un match de football, à la fin du match, n'allez pas dire aux gens que non, nous avons bien joué, mais nous avons perdu. Non. La politique, c'est comme un match de football. Quel est le score? C'est ça en politique. Le score, 1-0, vous avez remporté la coupe. C'est ça. Mais le FCC, en dépit de tous les soupçons visibles, des indices sérieux de corruption et de concussion, le FCC a laissé venir le danger. Le FCC a vu le danger venir, mais n'a pas pris ses précautions. En élégant politique, au vu de ce genre d'échec, des bons dirigeants n'hésiteraient pas à rendre les tabliers. Alors, question, pourquoi tous ces gens qui aujourd'hui exigent la démission de l'équipe actuelle dirigeante du FCC ne s'attaquent pas directement à Kabila, qui avait imposé cette équipe en lieu et place de s'attaquer à ces gens qui ne font qu'exécuter tout ce que Kabila leur dit? Non, j'ai dit ceci. C'est presque la même situation avec ce qui se passe au Congo, au niveau de l'État. Est-ce que Kabila gère le FCC au quotidien? Non, c'est comme aussi au niveau de l'État. Le président de la République ne gère pas le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Si ceux-là qui sont censés gérer le parti, le gouvernement au quotidien, n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu faire, n'ont pas pris des dispositions, pourquoi dans un match de football, lorsque une équipe perd 3-4 matchs, vous voyez un entraîneur rendre les tabliers? Sans même qu'on l'ait poussé à la démission. Mais pourquoi Kabila, qui a aussi désigné tous ces gens, ne peut pas rendre les tabliers s'il se rend compte que ces gens n'appliquent pas à rendre les tabliers? Kabila n'a pas à rendre les tabliers. Pourquoi? Kabila peut pousser, peut demander à ce que ceux-là qui gèrent le parti quotidien rendent l'établi. Et pourquoi lui-même aussi? Non, écoutez, je dis ceci. C'est une question de décision. Qui peut prendre l'initiative? Si les sociétaires du FCC ont estimé que non, au vu de ces fiascos, devant, il faut que l'équipe dirigeante soit changée. C'est une des initiatives. Si elles ont estimé d'être les premiers à prendre l'initiative, alors... encourageant. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie de la part de tous ces gens qui exigent aujourd'hui les départs de l'actuelle équipe dirigeante du FCC? Non, écoutez, c'est parce que vous, les Congolais, nous les Congolais, vous êtes très mal habitués. Nous sommes très mal habitués alors. Non, moi je suis un Congolais isolé. Tout ce que je vous prêche, vous n'écoutez pas. Même si vous êtes en train de vous enfoncer davantage. Vous nous prêchez en qualité de qui? En qualité de procureur général près le peuple, prédicateur national. Qui vous a confié cette fonction? C'est Dieu qui m'a établi au Congo. Tous les complots auxquels Dieu me fait échapper. Vous pensez que ça vient de vous? Ma sécurité vient de Dieu. Vous connaissez le nombre de menaces que je reçois? Et qui assure ma sécurité? On en reçoit chaque jour. Nkolo. Nkolo. Dieu qui m'a établi au Congo. Dieu qui m'a établi au Congo. J'ai dit la question du FCC. Si les sociétaires du FCC ont estimé qu'au regard de l'échec accumulé, on peut demander à l'équipe dirigeante de rendre les tabliers. C'est une démarche normale. D'ailleurs, je suis aussi de ceux-là qui avaient dit que pourquoi le FCC n'a pas initié de procédure lorsqu'on a constaté que la personne du secrétaire général de l'Assemblée et le directeur des ressources humaines ayant présidé la première réunion du comité des sages, il n'avait pas qualité. En droit, la procédure est de stricte application. J'ai interrogé la loi. Je ne vois aucune part où on autorise au secrétaire général de l'Assemblée nationale ni encore au secrétaire, au directeur des ressources humaines, de convoquer et de présider la réunion. Je n'en vois pas. Vous vous en doutez, moi c'est la loi qui parle. Ça c'est quoi la constitution? Écoutez, apparemment je vous sens, depuis un temps, vous n'aimez plus encore la constitution. Hein? Elle commence à vous faire peur. N'oubliez pas que la constitution ici... les gens sont morts.
pour son respect. Mais l'impression que j'ai aujourd'hui, ceux-là qui ont fait tuer mon peuple pour la Constitution ne veulent plus encore qu'on parle de la Constitution. Très bien, l'émission touche à la fin, on va évoluer. Ah, seulement maintenant. Il nous reste à peu près, je crois, 5 minutes. On va parler de l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est la baguette magique qui va sauver la RDC? Faux et archi-faux. J'attire l'attention de mon peuple. D'ailleurs, vous appelez ça union sacrée pour la nation. Moi, j'appelle cela comme union. Union. C'est quoi, moi? Union sacrée pour la République. J'appelle ça union secrète pour le nocturne. Comment ça? Pour nous qui avons près de 30 ans dans l'univers politique congolais, ça me rappelle encore l'union sacrée de l'opposition radicale Isoral. Une histoire créée par Mobutu pour distraire pour mon peuple. Vous connaissez la suite de l'union sacrée de l'opposition radicale? On a passé 7 ans de bouffonnerie, de distraction, entre-temps, le vécu quotidien, le panier des ménagères de mon peuple, il est où? Vous pensez que Hervé, évitez les sentiments. Mon Congo va mal, très mal. Pour qu'aujourd'hui, qu'on enlève les autres qui sont à victoire, il faut aller aux concertations. Pour qu'aujourd'hui, que les phénomènes demi-terrain pour lesquels j'étais arrêté, il faut aller aux consultations. Pour que les dollars baissent, il faut aller aux consultations. Hervé, l'année académique, l'année scolaire passée, pour que l'État donne des solutions, il faut aller aux consultations. Voyez la composition de cette histoire. C'est plein de mobutistes et leurs enfants, cette histoire de l'union sacrée. Kingwaku Mwanza, union sacrée. Kitengeyezu, union sacrée. Chimbombo Mukuna, celui qu'on a appelé l'autre fois Vemukumbusu. Connaissez les Mukumbusu? Les nouveaux Zaïre. Ce sont aujourd'hui ceux qui reposent l'espoir de mon peuple. J'ai de la chance de pour Kinke Mulumba. Barati Lukwebo. Moïse Katumbi. 13 ans ministre de Kabila. Moïse Katumbi, 13 ans comme gouverneur de Kabila. Sesanga. Tout cela ont congéré. Jean-Pierre Bemba, vice-président de la République, il s'est opposé à ce que mon peuple soit payé l'accord de Mboudi. Aujourd'hui, vous les Congolais, vous applaudissez. Et de dimanche, vous irez à l'église pour aller déranger Dieu. La coalition bloquée et le président a jugé bon de se défaire des Kabila. Et entre-temps, dans tout ce que vous dites là, quelle est la part de mon peuple? Je vous ai posé une question. Aux États-Unis, on vient de voter un plan de relance économique de 900 milliards. 900 milliards. Les républicains, les démocrates ont dit, mettons de côté nos divergences. D'abord, les solutions au problème des Américains. Mais chez vous, quel est le plan de relance économique? Bref, pour vous, la question de l'union sacrée ne va résoudre aucun problème. Je donne ma main à couper. Si cette histoire de l'union secrète arrivait à ce que et Bundeli Yamadesu, et Kita, et l'on a 2700. Les prochains gouvernements. Et comme à 1200. Le prochain gouvernement travaillera sur ça. Je vous dis ceci. Ce qui est non, Bakongo a nanga malamu. Parce que Ozana Congo, et l'ingi sous sentimenté. Mbokeko kende mabe makasi. Est-ce que Paul Elo, et Bundeli Yamwengi, Ozana na 800 francs, le leur comme 1700 francs, et Kita. Il faut maintenant qu'on ait une consultation. Et bah, ça lui plaît la relance économique à l'américain. Bah, qu'il y ait une consultation hors institution. Bon, à la fantique à Congo et non à la fantique à l'individu. Très bien, l'émission est terminée. Moi, je connais ma bé. L'émission est terminée. Bon, on a foutu à Batou. Il faut qu'il y ait une consultation. Les lois, il y a un fonctionnaire de l'État. Date où il y a un foutu à ma et il y a un sous-souté. Monsieur Nico Fadi. Bah, enseignant, il y a province. Ba enseigner à Congo, ba benginga, ba lobi, procureur. Ba enseigner à Kisasa, ba kozo 300 000 francs congolais. Ah, on a Congo, to kozo 192 000. Tous les bateaux en consultation, ba fouta bango, ba matissa. L'émission est terminée, Nicofa, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. Votre dernier message au public.
et si possible, vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Mon numéro, 243 81 64 44 165. De plus 243 81 64 44 165. Mon mot de la fin, nous sommes endeuillés. Nous avons perdu notre consoeur, Fanny Dacruz, que ton homme repose en paix. Très bien. Dieu en est décidé ainsi. Si c'était pour l'argent, tu ne serais pas morte. Parce que ta maladie avait été dénichée à Kinshasa. Madame Olive Lembe a payé, a supporté les frais jusqu'au Maroc. Dieu en est décidé. Que ton âme repose en paix. L'enterrement, c'est pour le mercredi. De la morgue de l'hôpital du cinquantenaire jusqu'à la nécropole. Nikofa Mbikaï, merci de votre passage. Merci beaucoup, estimé. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre réelle attention aussi. Je vous rappelle qu'il y a couvre-feu. Prenez toutes vos dispositions pour regagner vos domiciles à temps. Esther Mpinda, tu diras désormais à ton chéri de venir te chercher la journée. Bolumbu, tu dois cesser aussi d'aller te cacher sous les arbres de Lembala parce qu'il y a couvre-feu. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.